imaginez un peu. Vous êtes sur la plage, l'air marin, le ciel bleu, les goélands. Tout ça vous attend. C'est une propriété partagée. C'est vrai que ça s'appelle une propriété partagée. Mais en réalité, pendant les 2 semaines où vous avez le condo, vous ne partagez rien. Vous ne partagez pas la salle de bain, ni les ustensiles, rien de rien. Nada. C'est simple. Vous êtes la maîtresse de ce lieu de rêve. Mon neveu a fait une petite recherche à son bureau. Votre neveu? Madame Darby... Il a dit que le condo était mal situé et que c'était plein de noir. C'est vrai. Vous avez raison. Ce condo est situé dans un quartier pauvre, majoritairement habité par des Noirs, et vous savez, je suis content que vous en parliez. Je vous assure. Car sinon, j'aurais fait quelque chose dont j'aurais vraiment pu avoir honte. Autrement dit, vous vendre ce condo partagé. Vous ne vous y sentiriez pas en sécurité. Non, à ça, non. Et vous auriez raison. C'est tout naturel. Tout le monde sait très bien. Et je vous dis ça au risque d'avoir l'air de quelqu'un de raciste. Que bien des Noirs rêvent d'une femme blanche. Ça les rend fous. Je ne sais pas si c'est génétique ou si c'est la société. On pourrait en discuter des heures durant, mais il est prouvé scientifiquement que la plupart des Noirs veulent s'envoyer des blanches. Et ne croyez pas qu'une femme de votre âge serait à l'abri de leur assiduité. Non, madame. Et ces beaux mâles à peau noire se fichent que vous soyez vieille, jeune, osseuse ou obèse, marathonienne ou avec les 2 jambes amputées. Ils veulent de la peau blanche. Ils en veulent à tout prix. En fait, pour tout vous dire, le père de ma mère était noir. Et si je n'étais pas mariée, je vous prendrais par derrière tout de suite sur le divan, soyez-en sûrs. Je vois déjà ça d'ici. Toute seule dans cet immense condo, entourée d'une forêt de grosses queues noires. Oh, alors je signe. Bon, tant mieux, vous n'avez qu'à apposer votre signature sur la ligne en pointillé. Vous pouvez pas entrer là. Le stylo. Stan Minton. Ah, messieurs, donnez-moi une seconde. Et hop, on signe. Stan Minton, je vous arrête pour fraude. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la cour. C'est juste un petit malentendu. Allez, signez. Signe aux planches, Jézabel. J'appelle Mel. Je vous jure que vous allez le regretter. Appelle mon avocat. Madame la présidente du jury, en êtes-vous arrivée à un verdict? Oui, votre honneur. Très bien, veuillez le donner à l'huissier. Que l'accusé se lève. Madame la présidente, dites-nous quel est votre verdict. Eh bien, le jury déclare l'accusé coupable. Quoi? Merci, madame la présidente. Pute, Stanley, je t'en prie, tais-toi. La sentence sera rendue demain à 10h. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est foutu, Stanley. Je suis foutu? C'est toi, l'avocat, c'est toi qui es foutu. Je suis tout à fait désolé. Enfin, merde, je suis plein aux as! C'est du O.J. Simpson que je veux comme justice. Peut-être qu'il va t'accorder une probation. Non. Dans cet état, une fraude caractérisée entraîne un minimum de 3 à 5 ans ferme. Je sais. On pourrait payer le juge. Je ne vais pas payer le juge. Va le voir. Je n'irai pas le voir. On peut l'acheter. Je t'en prie. Graisse-lui la patte. Non, 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 non. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas ce genre d'avocat et je ne le serai jamais. Si tu veux acheter le juge, ne te gêne pas. Les rues grouillent d'avocats véreux qui ne se feront pas prier pour te rendre service. Je fais tout ce que vous voulez. Mel, t'es viré. Maître Popper, votre client, est-il disposé à recevoir sa sentence? Il est, votre honneur. Avez-vous quelque chose à déclarer avant le prononcé de la sentence? Votre honneur, mon client a été effectivement reconnu coupable de fraude caractérisée. Un crime dont il est innocent. Et même, si cela devait être le contraire, et qu'il avait bien escroqué ses clients,
N'est-il pas préférable que mon client, en tant que résident de Los Angeles, ait reçu ces sommes d'argent qui ont pu alors demeurer dans la communauté, empêchant qu'elles tombent aux mains de quelques vulgaires Mexicains errants qui auraient privé notre communauté de toute cette manne financière? Je suis certain que vous en tiendrez compte. Monsieur Minton, je vous condamne aujourd'hui à purger une sentence de 3 ans ferme à l'institution pénitentiaire de Verlaine. Normalement, votre sentence devrait prendre effet immédiatement. Cependant, je vais retarder votre incarcération de 6 mois. Ainsi, vous pourrez réorganiser l'œuvre caritative que vous avez fondée, vouée à l'enseignement de la musique aux jeunes déficients mentaux. C'est gentil, votre honneur. La séance est levée. Enseigner la musique à des déficients. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Eh, vous deviez lui donner un pot de vin. Les faits. On ne va pas loin avec 100 000 dollars de l'autre. On a gagné? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? On paye le juge et je reçois une sentence de 3 ans. C'était automatique. Le juge ne pouvait rien faire. Et vous avez 6 mois pour régler vos affaires. Mes affaires sont toutes réglées. Mon avis d'expert juridique, c'est que vous preniez des vacances aux Seychelles. Pour au moins 100 ans. Ah, c'est fantastique! C'est hors de question. L'argent que j'ai donné au juge était tout le liquide qui nous restait. Le reste de mon magot est gelé à la banque. Je vais tout de même pas m'enfuir en laissant 7 millions de dollars à la banque. Tu sais, Stan, mon grand-père disait toujours, si tu traverses un vestiaire, tu risques de tomber sur des queues. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, le grand-père? Eh bien, tu as dépouillé bien des victimes, tu peux donc t'attendre à finir au frais. Merci, c'est très réconfortant. Eh, je suis bien un avocat véreux. Je sais très bien qu'un jour je finirai en prison. Est-ce que tu me vois chialer pour autant? Stan, doucement, tu vas t'étouffer. Il faut que j'en profite. On dit qu'en prison, la nourriture est horrible. Je suis très heureuse qu'on ait 6 mois ensemble avant que tu sois. Tu sais. Moi aussi, je suis content. Je pourrais être au trou à l'heure actuelle. Cette Popper est un avocat du tonnerre. Je vais me sentir affreusement seule sans toi. Je sais, chérie. Mais j'aurai droit à des visites conjugales. Je pourrais t'en mettre un bon coup tous les mois, tu sais. C'est plutôt cool, hein? Oh, ouais, c'est génial. Mais j'y réfléchis. Et peut-être qu'il y aurait une solution pour que ce soit moins difficile de t'attendre. C'est quoi? Disons, ben peut-être qu'on pourrait avoir un bébé. Mindy, est-ce que t'es cinglée? Non, je... J'en ai seulement pour 3 ans, 5 ans au max. Qu'est-ce qu'on va faire quand je vais sortir? Le donner en adoption? C'est trop cruel. Alors on pourrait peut-être le garder. Qu'est-ce que t'en penses? Mindy, combien de fois en a-t-on discuté? Tu sais, c'est très égoïste de mettre un enfant au monde. Un monde plein de souffrances, de famine et d'horreur. C'est très égoïste. Chérie, je sais... En plus, un enfant, ça va saboter notre style de vie. Ça sera fini des vacances quand on veut, il se mettra à tout casser, tout le temps en train de pleurer. Tu vas te retrouver avec des vergetures. Oh. C'est vrai, des vergetures. C'est affreux, des vergetures. De toute façon, c'est toujours toi qui m'aides. Oh, Mindy, calme-toi. Ok, Mindy, tu pourras adopter un chien. Une fois que je serai parti. Votre 3e steak, monsieur. Mets un peu de scotch là-dedans. On a que du whisky. C'est ordinaire, mais ça fera l'affaire. Et voilà. Ça te fera 85 cents. C'est une affaire. Gardez la monnaie. Mmh. Merci. Donne-moi un autre, chérie. Propriété de la prison d'État.
Est-ce que t'as un problème par hasard? Non, non. Je me demandais juste, vous avez fait de la prison, hein? Mais t'as un problème, mon vieux. Non, je m'en vais en prison. Mais je n'en ai jamais fait de ma vie, alors j'ai cru que peut-être vous pourriez me donner de bons conseils. Je vous paie $100 pour ça. Juste pour des conseils? On a pris pour combien de temps? 3 à 5 ans. Et où, ça? Verlaine. Verlaine? Merde, t'es foutu, Stan. Les gardiens n'ont vraiment rien à foutre. Ils laissent les gars se massacrer la gueule à longueur de journée. Et comment je vais survivre là-dedans? Imagine que tu me vois en prison. Est-ce que tu me casserais la gueule à moi? Je préférerais plutôt te violer. Quoi, me violer? Ouais. Alors c'est vrai, hein? Tous les gars deviennent gays en prison. Depuis toujours, je suis gay. Sauf qu'en prison, on peut violer. Tu es gay? Ouais, y a que des gays dans ce bar. Écoute, le viol, c'est pas un acte sexuel. C'est plutôt un acte de violence. En prison, tu verras, tout se règle par la violence. T'es jugé sur la peur que t'inspires aux autres. Le viol d'un prisonnier, c'est l'ultime façon de lui massacrer la gueule. Ça veut dire que tu fais partie des plus méchants. Donc, t'as déjà violé des prisonniers? Bon, c'est pas quelque chose dont je peux être fier. Je suis contre cette pratique, si tu veux savoir. Mais je le fais encore un peu. Histoire de pas faire moins bien que les autres, si tu vois ce que je veux dire. Mais un petit format comme toi, tu seras une cible de choix. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire, alors? Tu entres dans un gang. Est-ce que t'es raciste? Raciste, non. Alors ça exclut les nazis. Et des mafieux, t'en connais? Non. Tu serais pas latino par hasard? Non. Alors on dirait que tout le monde va te violer. D'accord. D'accord, je pourrais devenir raciste pour 3 à 5 ans. Un vrai raciste, un dur de Dieu. Eh ben, c'est cool. Alors t'entreras chez les nazis. C'est génial. Tu vas seulement te faire violer par les autres nazis. Violer par des nazis? Hors de question. Il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire. Est-ce qu'il y aurait un moyen que j'ai la réputation d'un hors-la-loi intouchable? Il faudrait tuer quelqu'un. Mais sans tuer quelqu'un? Dans ton cas, c'est pas gagné d'avance, Stan. À moins que t'aies des tatous. Des tatous? Un tatouage. Ah ouais, j'en ai un. Ouais. J'ai pas connu ma mère, alors quand j'ai eu 18 ans, je me suis fait tatouer. Maman. Alors, tu ferais aussi bien d'avoir un paillasson attaché au cul, disant je suis ouvert 24 heures. Stan? Je vais me faire sodomiser. Stan? Stan, chérie, allez, réveille-toi. Il est 2 heures. Ah, bonjour, chérie. Bon après-midi, Stan. Tiens, un peu de jus d'orange. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Un cauchemar horrible. C'était quoi ton horrible cauchemar? C'était épouvantable. J'étais foutu en prison et plein de prisonniers voulaient me sodomiser. Mais ce n'était qu'un rêve. Je suis bien chez moi. Ce n'était qu'un cauchemar horrible. Mais tu t'en vas bien en prison, tu sais. Hein? Tu t'en vas en prison dans 6 mois. Non! 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 Oh! Oh! Chérie, ça va aller. Tout peut arriver en 6 mois. Et qu'est-ce qui va arriver, Mindy? Est-ce que mon anus va avoir des dents? Mais non, crétin. Tu vas trouver un moyen de t'en sortir, c'est sûr. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu trouves toujours un moyen. C'est vrai. J'y arrive toujours. Est-ce que mon bébé voudrait manger des œufs? Mindy. Est-ce que j'ai été élevée dans le luxe? Non, au contraire. J'étais en enfer quand j'étais petit. J'avais un ivrogne en guise de père, il ne savait pas aimer. J'avais un emploi d'été au Dairy Queen. Je mangeais de la soupe aux tomates tous les soirs.
et personne ne m'a jamais rien donné. En fait, j'ai grandi dans de misérables conditions. Et regarde-moi aujourd'hui. J'ai un palace en guise de résidence. Je conduis une Lamborghini. J'ai aussi une maison au bord de lac. J'ai un système de cinéma maison Bang & Olufsen. Une épouse tout à fait merveilleuse. Et qui dois-je remercier pour toutes ces richesses? Moi. Et moi seul. Moi. Stan est le meilleur. Quand je me mets en tête un objectif, je l'atteins. Alors si je te jure que je serai un prisonnier impénétrable, alors Mindy, je serai impénétrable! Voilà tes stéroïdes. Comment cacher des choses dans le rectum pour les nus? J'ai quelque chose à vous demander. Je vous préviens, c'est une drôle de question. Est-ce que vous auriez un genre de tatouage qui rendrait mon sphincter moins attractif? 17! 18! Stan, je veux qu'on baise. Pas tout de suite, Mindy. 22! 25! Ah, regarde, t'as vu les nouveaux contours de mon avant-bras? Tu vois cette nouvelle veine? Je vois surtout quelqu'un qui m'excite. Non. Je me demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Prends-moi, chérie. Mindy, je serai en prison dans quelques mois. Tais-toi, chérie. Et quand je serai en prison, des méchants vont essayer d'abuser de moi. Je veux pas qu'on parle de ça. Mindy, c'est très important. Je vais m'assurer de tout faire pour qu'une telle chose n'arrive pas. Mais si ça arrivait quand même, et que je sois violée... Stan. Je veux que ce soit celle que j'aime. Qui me dépucelle le derrière, tu vois? Oh! Oh! Stan! Je dis non! Je t'en prie, Min. Pour moi. Bien. Ouais. T'es gentil. Se concentrer, Stanley, se concentrer. Comment se concentrer quand on s'emmerde? Quand on s'emmerde, on peut s'en aller. Te vexe pas, Cho. Maître Cho. Maître Cho. Enfin, ça fait une semaine que je viens ici et je m'entraîne encore avec des enfants. Quand est-ce qu'on va passer aux choses sérieuses? Je suis ceinture jaune. Et personne n'a peur d'une ceinture de débutant. Quoi, vous croyez que vous pourriez monter d'un rang? Ouais, je le crois. Facile. On va vous donner une chance. Hé, hey, c'est moi! Suivez-moi. D'accord. C'est mort. Il vous faut combattre ces morts pour passer ceinture verte. Il faut que je me batte avec ce nain. D'accord. Qu'on veuille attacher. Voyons ce que t'as dans le ventre. Allez, ça! Allez! Arrêtez! Vous pouvez toujours courir pour votre remboursement! C'est tout ce que t'as dans le ventre! Aidez.
de technique, dis donc. Tu pourrais même pas casser la gueule d'un vieux paraplégique aveugle. Ah, et toi, tu te crois meilleur ? Mindy, j'ai une grande nouvelle. Sam, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne t'occupe pas de ça. J'ai rencontré celui qu'il me faut et tu sais quoi? Il accepte d'être mon entraîneur. C'est vrai? Comment est-ce qu'il s'appelle? Le maître. Enchanté. Le maître. Il va habiter avec nous et sera mon entraîneur. J'aurai juste à le payer quand ma banque dégèlera mon compte. Oh. Le contrat. Ouais, je le rédige tout de suite. Je suis désolée, le maître, mais ici, on ne fume pas, c'est la règle. La règle vient de changer. Je pense que je vais réchauffer un autre surgelé. Chérie, tu as encore réussi, tu l'as réchauffé juste à point. Alors, le maître, d'où êtes-vous? L'enfer. Oh! Alors, pourquoi êtes-vous à Los Angeles? Un travail? Je vais toujours là où le vent me pousse. Il est génial! Ah! Eh bien, il y a longtemps que vous enseignez l'art de l'autodéfense? Oh, chère dame, l'art n'a rien à voir là-dedans. C'est de la science. Un savant amalgame des plus dangereuses techniques du karaté, kung fu, wing chun, krav maga, muay thai, savate et kali philippin. Mon préféré. Ouh, waouh! Je prends la faiblesse et je la transforme en force. Je prends la graisse et je la transforme en muscle. Je prends les ampoules et je les transforme en cornes. Je prends le doute et j'en fais de la volonté. Vous devriez retirer votre main de là. D'où ça? La chandelle. Oh. J'ai oublié qu'elle était là. Je pense que je vais aller chier. Amusez-vous. Stan, chérie, est-ce qu'il doit vraiment habiter avec nous? Le maître? J'en ai très peur. Tu as raison, j'en ai très peur moi aussi. Et c'est exactement pour ça que je l'ai pris. Mais Stan... Mindy, tu veux que je survive en prison? Oui, ça c'est sûr. Alors arrête de me contredire. Tu verras, tu t'habitueras à lui. Allez, debout, mauviette. Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est l'heure de commencer ton entraînement. Il est 5 heures du matin. C'est une tranche de foie? C'est ton petit déjeuner. Et à chaque minute que tu perds, j'extrais un peu plus de son précieux liquide. Et crois-moi, tu en auras besoin plus tard. D'accord, je me lève maintenant. Mais es-tu prêt? Regarde ce que j'ai ramassé juste au pied de ton lit. Ça, c'est un signe de faiblesse. C'est du défaitisme. En fait, on commençait à aimer ça. Mange ça. Et suis-moi. Frappe-le. Maintenant, un coup de pied. Allez, vas-y. Il faut que tu y croies. J'ai mixé tous les trucs dégueux que vous vouliez. J'ai tout trouvé dans le quartier coréen. Tu sais, j'ignorais qu'il y avait un quartier coréen. T'as mis trop d'œufs. L'huile de poisson a l'air bonne.
Le pancréas de taureau aussi. Vas-y plus fort avec la langue. C'est ce qu'elle dit sans arrêt. Oh, Stan! Ça va. Laisse-le se débrouiller, femme. Ça va aller. Alors tiens-toi droit et avale. Est-ce que je devrais toujours avaler ce truc dégueu? Et les hot dogs, tu aimes? Ouais, j'adore. Eh bien, si tu refuses de boire ça, tes camarades de prison vont te servir beaucoup de hot dogs. Je te donne un coup de pied au cul si vite que tu ne sentiras rien. Je serais curieux de voir ça. J'ai pas reçu de coup de pied au derrière. J'ai rien senti. La douleur est une question d'interprétation. Okay. Je demande un temps mort. Vous êtes en train de battre mon époux avec un flambeau. Est-ce qu'à la place, il serait possible de jouer à un jeu de société? Reste en dehors de ça. Faut être un homme pour comprendre. Continuez, maître. Sauf votre respect, je sais que cet exercice renforce mes mamelons et, croyez-moi, je sens la brûlure. Mais je me demande s'il est si important d'avoir de la force dans les mamelons. Un beau jour, ces mamelons te sauveront peut-être la vie. Tu es ce que tu manges. Vous êtes sûr que c'est un proverbe oriental? Parce que j'ai entendu ça dans un cours de sciences au secondaire. Silence, femme. Enfin, tous vos trucs sur la perception de la souffrance, ça a l'air tout à fait mystique. Mais on est ce qu'on mange, mais moi je sais ça. Et je viens d'Omaha. De quel quartier d'Omaha? De Dundee. Happy Hollow. C'est juste à côté. J'aurais dû m'en douter. Ces larges hanches conçues pour l'enfantement ne pouvaient pas provenir de la perfide côte ouest. Excusez-moi, j'essaie de manger un scorpion, là. Petit insolent! Tu viens de perdre le droit de manger du scorpion. Génial. Adieu, mon dîner. Grâce à toi, chérie. Stan, j'en ai assez. Le maître a dit... Le maître est une ordure. Chut. C'est vrai. Et il est répugnant, cette odeur dans la maison. Est-ce qu'il est obligé de fumer dans toutes les pièces? Il n'y a plus qu'au lit qu'on est juste toi et moi, et tu es toujours trop fatigué. Eh, hey, dans 5 mois, je serai en prison. Je dois rester concentré. Il n'y a que la prison, puis encore la prison. Je ne dois penser à rien d'autre. Même pas un peu à moi? Écoute, quand j'aurai terminé mon travail avec le maître, je louerai quelques films et on se collera devant la télé comme avant, d'accord? Oh, Stan. Mindy! Il y a des hommes dans la maison! Quoi? C'est une bande de violeurs! Quoi? Des vrais bêtes! Ils veulent te violer! Te violer, je te dis! Mais le maître, alors? Ils l'ont tué! Ils ont des armes! On est vraiment foutus! Tu vas te faire violer! Oh, mon Dieu. À répétition! Oh, mon Dieu! À répétition! À répétition! Allons. Allons, calme-toi. Maintenant, tu sais ce que je ressens. Quoi? La peur du viol. Je vais devoir supporter ça pendant 3 ans. Et la bande de violeurs, alors? Fausse alerte. Mais je crois que maintenant tu seras plus compréhensive à mon égard. T'es que salopard, Stan! T'es en colère, c'est normal. T'es que salopard, je te dis! Ok, les injures n'arrangeront rien. T'es que salopard! Mindy! Mindy! Non, arrête! T'es monstrueux! Mindy! 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 Mindy, qu'est-ce que tu fais? Ça
se voit pas, non, je te quitte. Oh, tout ça pour cette blague inoffensive. Je suis sûr que quand tu vas te calmer, tu vas c'est te rendre compte. C'est pas juste à cause de cette blague, c'est tout le reste. Y a toi qui compte. T'es l'homme le plus égoïste que j'ai jamais rencontré. Wow. Est-ce que j'ai bien entendu? Alors celle-là, elle est drôle, très très drôle, parce que je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Je t'ai donné cette maison. Mais ton nom, tu sais bien. Je t'ai donné cette poitrine. C'est toi qui l'as voulu. Quand t'as trouvé que la Lamborghini était trop petite, j'ai acheté une autre voiture. Tu m'as acheté une vieille Porsche Speedster. Elle a une banquette arrière. Oh. Mindy, qu'est-ce que tu veux? Je ferai tout ce que tu veux. Je veux un bébé, espèce d'idiot. Encore ça? Très bien, d'accord, t'as gagné. On aura un bébé. C'est vrai? Non, je rigolais, mais peut-être qu'on pourrait aller voir des amis qui ont des enfants. Oh. Adieu! C'est ça, va-t'en! J'ai pas besoin de toi! J'ai besoin de personne! Un moment, je suis en train de méditer. Mindy est partie. Bien. Le véritable entraînement peut commencer. Il est trop tard pour t'enseigner les cinq doigts qui tuent. On a juste le temps pour un seul doigt. Bon, choisis. D'accord. Voyons... celui-là. Tiens-moi ça. À ton tour. Connaître ses intentions. S'il est meilleur à distance, alors il faudra l'approcher. Et s'il est fort de près, alors tu n'as plus qu'à le combattre à distance. Et si ton opposant est fort de près comme à distance. Alors là, t'es vraiment dans la merde jusqu'aux sourcils avec la bouche grande ouverte. C'est quoi ce truc? Juste des petites billes que j'ai prises au temple de Shaolin. Et tu t'en sers pour quoi? Ton repas. Ah.
Allez, ça suffit, ah, d'accord. Gars. Ne jamais se réjouir trop tôt. Je n'oublierai pas. Ouais. Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi 8, Mississippi 9, mais... Oh mon Dieu, je suis impressionné! Ah, ce n'est rien à côté de cet homme. Je n'ai pas de mérite. Les cigarettes ont affecté ma circulation à un point tel que je ne sens plus rien dans les mains. Alors c'est ça le truc. Je porte un toast à Stan Minton, mon deuxième meilleur étudiant. Deuxième meilleur ? Qui est numéro un ? J'espère que jamais tu n'auras à le rencontrer. Il s'est servi de mes leçons pour autre chose que sa protection, pour faire le mal. Eh bien, qu'il aille au diable. Au numéro 2. Je lève mon verre à Stan et à son épreuve finale. Ce soir. Ce soir? D'accord. Alors allons-y. Salut, Cho. C'est Maître Cho, t'as oublié? Maître Cho? Ou Maître Patkouille Cho? Qu'est-ce que tu viens de dire? T'as compris. Patkouille. Tu veux que je te pète la gueule, c'est ça? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Une branlette, PD? Tu vas voir. Tiens! Félicitations, Stan. Tu voudrais bien me raccompagner à ma voiture? D'accord. Ah, je me sens pas en sécurité ici. Je crois que les Asiatiques ont une dent contre moi. Tu n'as qu'à monter ces marches, tu te livres et ils vont s'occuper de toi. Ah, à propos, un petit changement au programme. L'administration pénitentiaire a appelé hier. Et ils vont t'envoyer à Augsburg au lieu de Verlaine. Pourquoi? On sait rien. C'est la bureaucratie. Ça ne fait aucune différence. Allez, Stan. Tu t'en sortiras. C'est vrai? Ouais. Est-ce que Mindy ou son avocat t'ont contacté? Pour le divorce. J'en ai rien à faire de toute façon. Bon, j'y vais. On se revoit dans 3 ans. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que tu devrais t'éloigner vite fait. C'est dégueulasse! Je voudrais une bière. Ah, ça pue la mort! Moi! Non, non, tu montes pas dans ma voiture! Laisse-le d'abord s'évaporer! Ah, ça pue! C'est ta première fois?
Est-ce que t'as un nom? Un mot de plus et je t'arrache le foutu mamelon. Mais mon vieux, moi aussi j'ai la trouille. Mais c'est sûrement pas aussi dur qu'on le dit. Ouais, c'est aussi dur qu'on le dit. Et vous les enfants devriez vous y préparer. Dis-leur. Tu vas t'en rendre compte. Bien assez vite. Je t'ai dit de pas me parler. Oh merde! Bienvenue au pénitencier d'Augsburg. Pour des raisons bien au-delà de ce que je peux imaginer, vous avez fait en sorte, messieurs, de vous retrouver sous mon autorité. On m'appelle directeur Francis Gascoué. Mais vous pouvez m'appeler patron. Il n'y a qu'une seule règle ici à Augsburg. Faites pas chier le patron, ce qui veut dire que vous me fichez la paix. À moi et à mes hommes. Ce que vous faites entre vous... Ça vous regarde. Ce qui est derrière vous, c'est le jardin du directeur. Celui qui pissera dans ce jardin aura le pénis amputé. Le sergent Bullock va vous conduire à l'infirmerie où vous vous déshabillerez en vue d'une fouille rectale. Vous allez adorer ça. Attention, messieurs. En file indienne. Allez, dépêchez, resserrez un peu les rangs. Attention, on se met en position. Piquet, pourquoi est-ce que vous vous mettez à gueuler comme une fillette? Sergent, regardez. D'où Jésus? C'est l'œil d'un extraterrestre. Et on dirait qu'il m'accuse. Bienvenue dans vos nouveaux et luxueux condos offerts par l'État. Allez, grouillez-vous. Hé, toi, joli fesse ! J'allais bien dire. Bonjour, jeune homme. Bienvenue dans cette cellule, camarade. Je m'appelle Larry, mais tu peux m'appeler Shorty. Shorty, cette couchette est à moi. Quoi? Laisse-moi ma couchette. Descends. Oh, ouais, non, hey, tu rigoles. Ça, c'est ma place. De quel droit tu te permets de... Ah! J'ai dit laisse-moi ma couchette. D'accord. C'est ta couchette. Oh. Tu devrais peut-être changer les draps. Je suis un masturbateur compulsif. T'as raison, c'est ta place. T'es sérieux? Absolument. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'entendre, toi et moi. Hein, camarade? J'évite de serrer les mains. Bon, fais ce que tu veux. Ah, je retrouve mon matelas. Alors dis-moi, Shorty, c'est qui le dur des durs ici? C'est qui le plus gros méchant dans cette prison? Le plus gros méchant. Eh bien, il y a tout un tas de candidats. Lui, Cléon, c'est le chef des Diamond Kings, le clan des Noirs. Je l'ai vu tuer un homme à main nue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as aussi Juanito? C'est le chef du clan des Mexicains, un vrai caïd. Allez, défends-toi, cabron! Hey! Et un conseil, surtout, évite ces gars-là. Et l'expression de nos êtres intérieurs se... Des scientologistes. Quoi, eux, des durs? Ouais. Ils te lavent le cerveau et puis ils te vident ton compte. Et ainsi exorcisés. Et eux, là-bas, c'est les nazis. Tous les massacrés. Aucun d'eux n'est un gros dur, mais ces salopards ne se battent jamais seuls. Ils attaquent toujours en groupe. Leur chef, Patterson, est une véritable ordure. Son oncle dirige le Ku Klux Klan. Je vais te préciser la question.
Qui est le prédateur sexuel le plus dangereux de la prison? Oh, très facile. C'est Beefsteak Raymond. Il est absolument insatiable. Il est dingue. Ses copains noirs l'éviteux aussi. Mais s'il provoque une bagarre, ils viendront à sa défense. Beefsteak Raymond est l'élu. Je peux t'emprunter ça? Ouais. C'est gentil. Hey, Stan! Stan, où est-ce que tu vas? Tu croyais que cette cigarette était gratuite? Hein, c'est ça que tu croyais? Je vais te rembourser, c'est promis. C'est juste que là, j'ai pas d'argent. Je vais te dire comment me rembourser. Excuse-moi. Barre-toi, petit con. Ton tour viendra. C'est moi que t'as appelé, petit con? Ouais, c'est toi. Hein? Hey, tout le monde! Vous avez entendu ça? Beefsteak Raymond, sans aucune raison, vient de me traiter de petit con! C'est pas très gentil, hein? Je l'ai pas traité d'obèse! Je l'ai pas traité de gros PD, baiseur de singe! Je lui ai jamais dit que le vagin de sa mère empestait le vieux hareng! Ce qui est le cas! C'est qui le petit con, hein? Petit con. Tu l'avais bien dit. Mon champion. À coup de botte sur ce pourri nègre, t'es un vrai de vrai. Je veux pas t'entendre dire ce mot. C'est une injure raciste. C'est vraiment trop cool, mon vieux. D'accord, alors écoute-moi un peu. On voudrait t'avoir avec nous, tu vois, parce que les négros vont vouloir te tuer. Je t'ai interdit de prononcer ce mot. Lâchez-moi, lâchez-moi. Massacrons-le. Attendez. Qu'est-ce que t'attends, Patterson? Rien, toi de tes fesses. Tu calmes, Cléon. Ne me dis pas que tu vas défendre cet obsédé sexuel répugnant. T'as pas remarqué la couleur des fesses de cet obsédé sexuel? T'en es encore à ce stade? Science et nature, le dernier épisode. Vous l'avez regardé? Ils ont fait des tests ADN. Nos ancêtres sont africains. Casse-lui la gueule, négro! C'est scientifiquement prouvé. Sous cette peau, toi et moi, on est aussi noirs. Oh ben on s'en fout! Tuez-le! Espèce d'enfoiré. Cet enfoiré! Sur la gueule à ce nègre!
Mais d'où est-ce qu'il sortait, ce bonhomme? Attention, Cléon, ce gars-là, il est très fort. Ça va être sa fête, ça va être sa fête. Il chie dans sa culotte, ça va être sa fête. Oh, oh ben merde, alors. Cléon, si tu veux me faire la peau, faudra que tu mettes la main à la pâte. Je comprends. Tu peux ramasser tes dents en or. Tu peux les garder pour cette fois. Mais si tu m'emmerdes encore, je vais m'accrocher à ton or comme un banquier suisse. Alors personne ne m'aide. Il manque une prémolaire. On aurait dû le tuer. Appelez vite un orthodontiste. Je vois que Monsieur Minton s'est acclimaté à son nouvel environnement. Le moment est venu d'avoir une petite conversation avec lui. Bouge de là. Toi aussi. C'est délicieux. Je comprends pas pourquoi tout le monde se plaint. Que tu fiches de bois. Eh, hey, merci. C'était vraiment gentil. De quoi? Tu sais, de m'avoir défendu contre Beefsteak Raymond. Je t'ai pas défendu. Je l'ai fait pour moi. Je devais battre le plus méchant détenu de la prison. Je t'ai aidé par pur hasard. Ok. Mais tu sais, je pense que... Je crois que ce gars voulait me baiser. Crois-moi, en ce qui te concerne, je n'ai que reporté l'inévitable. Mira la señorita Toraya. Chica, chica. Ouais. Merci quand même. Hé, hey, jeune fille, c'est quoi ton nom? Sois pas timide, dis bonjour. Allez, voilà qui. T'as été dur avec ce gamin, dis donc. Eh, j'ai rien à foutre de ses problèmes. J'ai déjà bien assez des miens. Compris? Directeur veut te voir. Debout. Moi? Allez, grouille-toi! Derrière ton dos, les mains. Entrez. Minton, je suis content que vous ayez pu venir. Enlève-lui ses menottes, Bullock. Et vous en êtes bien sûr, patron? J'ai dit, enlève ses menottes. Inutile. C'est déjà fait. Tout est une question de dislocation des poignets. Eww, ça te donne la chair de poule. Laisse-nous seuls dans ce cas. Assieds-toi. Patron, si c'est à propos de ce qui a eu lieu dans la cour, je peux... Cigare? D'accord. Brandy? Oui. Les directeurs de prison, vous devriez vous plaindre.
dans les films d'Hollywood. On vous fait passer souvent pour des trous de cul. Eh bien, je ne tiens pas à faire ce métier pour le reste de ma vie. Sans blague. Dis-moi, Minton, cet endroit, qu'est-ce que tu en penses? C'est chouette. Pour une prison. Pas la prison. Le terrain. Intéressante propriété. Jolie vue sur la colline et sur la ville. Terrain stable. Je présume que le sous-sol est rocheux. Accès direct au centre-ville. Je suis persuadé d'un bon potentiel. Dommage qu'il y ait une prison là. Bien vu. Tu sais, ça n'a rien d'accidentel si on t'a mis à Augsburg. C'est moi qui ai suggéré qu'on t'envoie ici. Pourquoi avez-vous fait ça? Je vais te montrer. Les résidences Augsburg. Je suis un partenaire, disons, anonyme, avec quelques investisseurs privés, qui souhaiteraient développer ce terrain et y bâtir des condominiums. Je pense que c'est votre domaine de compétence. Oui. Sauf que tout ceci n'est possible que si cette prison venait à disparaître. Bien entendu. Pour tout ce qui est prison, je m'y connais. Je sais comment briser le moral d'un détenu et lui enlever tout espoir. Mais pour ce qui est de négocier un contrat, je tiens plutôt ça en horreur. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de venir. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Est-ce que tu aimerais sortir dans un an? Mais voyons, j'ai pris 3 ans minimum. Tu sauras que les directeurs ont une grande influence sur les dates de libération. Et particulièrement pour les détenus non violents et sans antécédents. Les prisons débordent, tu sais. Le système est corrompu. J'aime l'idée. Mais il faut construire les condos de luxe au bord de l'eau. Ça va doubler les loyers. Le stationnement devra être souterrain. On gaspille de l'espace et 8 condos de plus. Celui qui a conçu ceci est un imbécile. Mais qu'est-ce que vous faites de la prison? Laisse-moi m'occuper de la prison. Dis-moi plus sur les places de stationnement. T'es équipé? Il saura pas ce qui lui arrive. Tu me suis? Ça va faire une cicatrice, espèce de con. Tu voudrais le ramasser, hein? T'as fabriqué ça avec une brosse à dents et une lame de rasoir? C'est très astucieux. Ça, je l'ai fabriqué avec 3 pains de savon et un lacet. Oh, tu te fous de ma gueule. Proche, sale traître. Il est tout à vous. Ça va être sa fête. Hey, Stan, qu'est-ce que t'as fait à Patterson? Je l'ai juste secoué un petit peu. Pourquoi? Il paraît qu'on lui a mis un rasoir dans le cul.
On dit qu'il pourrait chier de travers pendant un mois. Maintenant, je sais ce que Schadenfreude veut dire. Quoi? Schadenfreude. C'est de l'allemand. C'est quand t'es content parce que ton ennemi s'est fait sodomiser contre son gré. T'as fini d'uriner sur moi? Tout se passe très bien. Il y a que des mauviettes ici. C'est fantastique. Écoute, mon vieux, il faudrait que tu m'aides. L'avocat de Mindy refuse de retourner mes appels. Alors, si on veut en finir avec ce divorce, il va falloir que tu la contactes en personne. T'as entendu ce que je viens de te dire? Ouais, c'est ce que je veux faire. Et la procédure d'appel? Eh bien, écoute la nouvelle. Je suis en train de draguer la présidente du jury en ce moment même. C'est génial. Ah bon, maintenant le devoir m'appelle. Faut que j'y aille. D'accord, merci Lou, je te rappelle bientôt. Il n'y a rien à discuter. Ah, vous êtes Charlize Theron. Oh, regardez ce qui vient de tomber. Alors, je leur ai demandé de remplacer le bœuf par de la viande de cheval. Vraiment? Ah, voici le grand Stan. Milton, j'aimerais te présenter Monsieur Dang. Il est sur le conseil d'administration de la prison. On laisse des Vietnamiens mafieux superviser cette prison? Je l'ai vu à vos tatouages. C'est ce que tu disais, grand Stan. Le système est corrompu. La famille de Monsieur Dang est mon partenaire dans le projet de résidence. Quelle coïncidence, j'étais en train de réviser les contrats signés. Les clauses concernant le revenu brut par rapport au montant des dettes ne sont pas assez précises. Je suis sûr que c'est une erreur, mais patron, vous risquez de vous faire enculer. Vous croyez? Alors mes avocats vont corriger ça très vite. Vous savez, je connais un excellent avocat spécialisé là-dedans, Lou Popper. Popper? Eh bien, je vais contacter ce monsieur. Suivez-moi, Dang, allons jeter un œil sur la cour. On dirait que ces sauvages sont prêts pour leur inspection, directeur. Eh bien, donnez-moi encore quelques semaines, et ils seront encore plus prêts. Je compte sur vous. Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne fraise? Elles viennent de mon jardin. Merci. Minton? Une fraise? Non, je n'ai pas faim. Elles sont peut-être pas tout à fait assez mûres. Je crois que c'est autre chose. Plus personne ne me fait chier en prison. Félicitations, Stan. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui pourrait te faire chier? Non. Je vous dis, j'ai réglé la question. Qu'est-ce qui se passe, Stan? Je te sens... distant. Je sais pas. Enfin... Est-ce qu'il vous arrive des fois de ressentir de la pitié? Aussi souvent que j'ai pitié des vers de terre et des mouches que je déguste avec mon café le matin. Eh, c'est ce que je ressens aussi. Écoutez, je dois y aller. T'es mon champion, Stan. Oh oui, vas-y. Ouais. Vas-y à fond. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te sers de moi. Non, je ne tiens pas de toi. Est-ce que tu m'aimes? Oh, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Oh, chérie. Non, lâche-moi une seconde. Lâche-moi. Une seconde. Oh, est-ce que tu m'aimes? Excuse-moi. Salut, Stan. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Est-ce que tu m'aimes? Je crois que Madame la Présidente est à un orgasme de finalement t'accorder ton appel. C'est génial, Lou. C'est dégueulasse. As-tu eu des nouvelles de Mindy ou de son avocat? Non, mais je t'assure que ces honoraires, je les ai bien mérités. Bonjour. Je crois pas avoir commandé du chinois. Alors, pour moi, ce sera deux couilles avec de la poulette sautée. À qui es-tu en train d'écrire? Oh, à personne.
Ça fait un bon 2 heures que t'es assis là, essayer d'écrire à personne. Tu sais, Stan, ça fait longtemps que je suis dans cette prison et je réussis à endurer des tas de trucs du genre avoir à passer le reste de ma vie dans ce trou à rats. Mais il y a une chose que je regrette. C'est d'avoir tout fait foirer avec Mayoshi. Oh, c'était la seule personne qui m'a véritablement aimé. Seulement, je n'étais qu'un imbécile et je n'ai rien vu. Ah. Je donnerai tout ce que j'ai pour changer la façon dont je me suis conduit. Et comment tu t'es conduit? Je l'ai tué. Oh. L'alcool n'a jamais vraiment fait ressortir le meilleur de ma personnalité, Stan. Cher Mindy, j'ai beaucoup pensé à toi dernièrement, ou plutôt à nous. Je me rends compte maintenant que tu avais raison. J'étais un entêté doublé d'un égoïste. Me quitter était certainement la meilleure chose à faire pour toi, et j'en suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû te faire de mal. Et je comprends maintenant pourquoi tu voulais qu'on ait un enfant, car c'est une façon de vivre notre amour encore plus intensément. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. À toi pour toujours, Stan. Allons, trésor. Bon, je sais que vous tous, vous voulez vous remettre à vos haltères, au basketball et à la masturbation. Alors, je serai pas trop long. D'accord ? Ouais. Je balance aux ordures tous les films et les jeux vidéo violents. Non, non, qu'est-ce que tu fais là ? Non, fais pas ça. Désormais, je veux que vos divertissements soient plus enrichissants pour votre esprit. Et franchement, ce rap que vous, messieurs, écoutez tout le temps encourage la haine envers les femmes. Je trouve ça quand même bizarre. Vous aimez les femmes, pas vrai ? Ouais. Mais d'un autre côté, je trouve que les Mexicains ont tout compris avec leur musique salsa et leur mariachi. C'est positif, facile à danser et on ne s'en lasse pas. Shorty, envoie la sauce. Et on y va. Ok, arrête. D'accord. Je sais, c'est de l'afro-cubain et non des mariachis, mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et pour finir, le plus important, dorénavant, il n'y aura plus jamais de viol dans cette prison. C'est exact. Quiconque abuse d'un autre prisonnier aura affaire à moi. Et je ne serai pas tendre. Excuse-moi, grand Stan. Oui, Juanito? Pourquoi tu mets ton nez là où ça te regarde pas, hein? Mes gars sont agressifs et coriaces. Il faut bien qu'ils évacuent tout cet excédent d'énergie. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Ok, eh bien, Juanito, c'est une bonne question. Gracias. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, à vrai dire, je déteste ça. Je vais vous montrer pourquoi. Robbie, viens ici. Vas-y, Robbie. Ouais, toi, Robbie, Levi, ramène-toi un peu, dépêche. Hé, hey, lâche-moi. Ça va. Robbie, t'en as pour combien de temps ici au pénitencier? 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, c'est long. Qu'est-ce que t'as fait exactement pour mériter cette sentence? J'ai vendu de la marijuana. Beaucoup de marijuana. Merci, Robbie. Va t'asseoir. Il a vendu de la marijuana. C'est un dealer de drogue. Je veux pas discuter des politiques antidrogues de ce pays. Personnellement, je les trouve pas assez sévères.
quoi? Peu importe. Mais ce n'est pas parce que Robbie était un vendeur de dope qu'il mérite de se faire violer par plusieurs gars tous les jours pendant 5 à 10 ans. Je trouve que c'est pas correct. Plusieurs d'entre vous sont ici pour ivresse répétée au volant. D'autres ont un penchant pour le crack et la cocaïne. Certains ont cambriolé une banque. Je parle de toi, Léotis. Mais est-ce que vous méritez de vous faire violer pour autant? Oui, Carnahan. Et les prisonniers condamnés pour viol, on peut pas les violer? On peut punir par où ils ont péché? C'est pas bête, pour que jamais ils ne recommencent. C'est d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait des pédophiles? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Ouais, les pédophiles, vous pouvez. Il y en a d'autres? Excellent! Yo, Grandstand! T'as oublié les faux monnayeurs? Quoi? Les faux monnayeurs? Biftec Raymond, tu es le seul faux monnayeur ici. Mais une minute. Est-ce que tu es en train de me dire que... Alors il est important de préciser quelque chose. Il y a une énorme différence entre l'homosexualité et le viol. Biftec Raymond. Je suis sûr qu'il y a un autre prisonnier qui voudrait coucher avec toi. Pas moi. Ok? Il y a personne, c'est sûr? Ouais. Moi. Tyler! Génial! Éclatez-vous! Mais surtout, protégez-vous! Ok, un peu de sérieux. Je ne sais pas docteur à réagir comme ça dès qu'il est question de sexe entre deux hommes. Mais ces deux gars-là sont sur le point d'avoir une relation homosexuelle consentie. À mon avis, c'est magnifique. Et c'est à l'opposé du viol qui est interdit. Excepté pour les violeurs et les pédophiles, on a le droit de se les taper. Non, Carnahan. Quoi? Eh bien, j'ai changé d'idée. C'est une mauvaise habitude qu'il faut cesser tout de suite. Eh, si vous n'êtes pas content, venez vous battre avec moi. J'en étais sûr. Allez, c'est terminé. Dégagez. Bon, plus rien. On y va. C'était bien envoyé. Tu trouves? J'aurais dû commencer avec une blague. Non, c'était cool. Ouais? Ouais. Hey, mais désolé pour les mariachis, je me suis trompé. Ah, c'est pas grave. Hey, grand Stan, regarde les deux amoureux. Un pour toi, hein? Ah, ok, un pour toi, ouais. Je suis content pour eux. Et j'aimerais te montrer quelque chose. Est-ce que je peux manger? Hey, grand Stan. T'as une seconde? Bah, faites ça vite. Je te suis très reconnaissant pour ce que t'as fait. Je n'ai rien fait du tout. Je suis sûr que t'as fait ça pour moi. Tu peux pas le nier. J'ai raison. Si on veut. Merci. Ouais. On te remercie. Julio! Ven aquí ahora mismo! Qu'est-ce qui te prend? Tu sais qui est le patron? La ferme! Ce petit con, il se croit tout permis. Hé, hey, Grand Stan. J'ai aimé ton discours. Je vais être dans ton clan. J'ai pas de clan. Maintenant, t'en as un. Ok, d'accord. Ouais. Moi aussi. Ouais, vous aussi. Vous tous. C'est gentil. Super. Ouais. Non, est-ce que je peux dîner, là? Voyons, mais calme-toi. Oh, mais loin, pour mal. Je l'ai pas fait exprès. Oui, tu l'as fait exprès. Soigne-moi. D'accord. Je
t'avais dit que je voulais te montrer quelque chose. C'est Mindy. Elle veut venir me voir. Réconciliation. Essayez que ça dure, d'accord? Linda, Santa Maria, Bertie. En l'air. Allez, par là. Excuse-moi, mon vieux. Non, c'était de ma faute. Non, j'insiste, c'était ma faute. Mais il y a une partie de basket qui commence, est-ce que ça te plairait? Ouais, d'accord. Vas-y, va arrêter notre petite connerie, espèce de petit con. Oh, le couteau de tes mains. Oh, oh, il est bien. Oh, Mindy. Ouais. Tu m'as tellement manqué. Mais avant qu'on continue, il y a quatre mots que je veux entendre. J'ai eu tort. C'est bon. On croirait voir un pique-nique de bonne sœur. C'est Minton. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, il a d'abord interdit le viol. Et là, c'en est au point que si un prisonnier se fait battre, il court rejoindre Minton et son clan, et Minton punit le méchant qui a fait ça. En fait, ils ont tellement peur de lui qu'ils n'osent même plus se regarder de travers. Ça fait trois jours qu'il n'y a eu aucune bagarre. Mais j'ai cru voir une gueule se battre avec ce bandit mexicain hier soir... Jesus. Non, non, c'était plutôt un genre de querelle entre conjoints. Ça fait deux semaines qu'ils sont ensemble, et Engelberg a oublié. Oh, mais c'était pas très gentil de sa part, ça. Maintenant, c'est du passé. Vous auriez dû voir le gâteau qu'Engelberg a fait pour lui. C'était émouvant. Sors d'ici, Bullock, et va me chercher Minton immédiatement. J'ai bien dit, immédiatement. Oui, monsieur. Et en vitesse. Loin de moi de vouloir te flatter, mais je crois que c'était la baise la plus extraordinaire qu'on ait eue. J'imagine qu'une si longue absence t'a mis des idées dans la tête. Oh oui, c'est vrai. Le maître m'a ouvert les yeux côté sexualité. J'ai appris toutes les différentes positions du Kama Sutra. Le maître? C'est impossible! Oui, il s'est installé chez nous. J'ai étudié toutes sortes de trucs comme le massage et le renforcement des muscles pelviens. Ah, quel fumier! Minton, c'est terminé. Mais Stan... Maintenant! Eh bien, qu'il attende! Je t'interdis de reparler au maître, t'as compris? Dis-lui bien, ce salaud de faucheton, que dès que je sors de tôle, je lui casse la gueule! Attends, ne lui dis plus rien, ne serait-ce qu'un seul mot. T'as compris? Toi, détenu. Je t'interdis de le revoir. Je t'adore, Stan, chérie. Brouille-toi. Enculé. Savais-tu que j'avais des dents de voyance?
C'est vrai. Je suis capable de voir dans le futur. Je n'en savais rien. Alors laisse-moi te raconter ce qui va se passer la semaine prochaine. Eh bien, le conseil d'administration va passer inspecter la prison. Ensuite, quelque chose d'horrible va se produire. Des prisonniers vont trouver une façon d'introduire plusieurs armes dans la cour. Et c'est alors qu'éclate une mutinerie générale dans la prison. Les membres du conseil observent la scène avec horreur. Mes hommes sont forcés de tirer dans la cour afin de rétablir l'ordre. Après le scandale que cela provoque, les membres du conseil décident de vendre la propriété à une famille vietnamienne habitant à San Pedro. Et tout le monde vit heureux jusqu'à la fin des jours. Et spécialement moi. Alors, si tout ce que je viens de te dire ne venait pas à se réaliser, tu me verrais extrêmement déçu. Et quand je suis extrêmement déçu, Monsieur Deng, ici présent, est quelqu'un qui aime piétiner les parties génitales comme du papier bulle. J'ai gaspillé 35 années de ma vie dans cette fausse sceptique. Il est hors de question de m'en aller sans une compensation substantielle. Alors tu m'arrêtes cette réforme immédiatement. Si t'es de mon bord, ça pourrait te valoir une peine réduite. Combien risque d'être tué ? On s'en fout. Ce ne sont que des animaux. Balok ! Accompagne Monsieur Minton dans sa cellule. Bien, monsieur. Allez, viens, Minton. Stan, est-ce que des Chinois t'ont déjà donné des coups de pied sur la bite après que t'aies eu une relation sexuelle avec une vieille femme pas très belle? Non, pas à ma connaissance, Liu. Madame la présidente refuse de me parler. Vaut mieux que tu dises oui à l'offre du directeur. Il n'y a aucune autre solution. Vraiment désolé, mon vieux. Tu sais, c'est foutu. T'es en danger, en plus. Bon, alors sors-toi très vite de ce trou, Stan. Balok. Dis au directeur que c'est d'accord. Je veux sortir d'ici. Restan, les nazis disent que la tortilla de la Vierge Marie est un faux. C'est pas cool, hombre. Hé, les nazis ont dit que la Vierge Marie n'a aucun pouvoir. Et que Constantin voulait apaiser les prêtres de Byzance en leur donnant une déesse à vénérer. Je sais pas ce qu'ils ont entendu ça sur un documentaire à la télé. Quoi? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, grand Stan? J'ai pas l'intention d'y faire quoi que ce soit. Mais tu passes à Connell, merde. Hé, hey, Stan! Stan! Les Brésiliens n'arrêtent pas de dire que Farib est un arabe. Je suis pas arabe, je suis perse. Je m'en fous. T'as l'air d'un arabe. Hé, hey, écoutez-moi! Tout le monde! Débrouillez-vous tout seul! Vous m'entendez? J'en ai rien à faire de ce que vous vous faites les uns aux autres. Hé! Hey, vous, les gars! Un cercle de lecture pour noir et blanc? Vous vous détestez les uns les autres. Alors arrêtez de prétendre le contraire. Qu'est-ce que les blancs connaissent à Macbeth? Ouais! Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Arrête-toi là. Bon, ça c'est nettement mieux. C'est ça. Je croyais qu'on comptait pour toi. Eh bien, tu te trompes. Hé, le petit prince. Bah, viens t'asseoir avec tes frères, puisque t'es blanc. Tiens, c'est pour toi. Il va falloir que tu te rases le crâne et qu'on te fasse quelques tatouages sur le front. Hein? Allez, mange. Je m'étais trompé sur toi. Tu nous as tous eus. Évite d'aller dans la cour demain. T'as compris? C'est elle de la prison abrite les plus dangereux de nos détenus. Mais ici, nous avons l'exemple parfait d'une réhabilitation réussie. Stan Minton. Stan, je voudrais te présenter les membres du conseil. Tu n'es pas dans la cour aujourd'hui, Stan? J'ai pas le moral aujourd'hui. Eh bien, j'ai une nouvelle qui va te retaper. Vu son attitude exemplaire, M. Minton va passer aujourd'hui devant le comité de libération. Bon, continuons la visite, si vous le voulez bien. Le signal est à 12h30. Et à 12h40, je commence une carrière dans l'immobilier. Stan, chérie. On réglera ça dans quelques minutes. Est-ce que ça va? C'est promis. Prochain détenu, le 5824. Il s'agit de Stanley Minton. Vous avez son dossier. Durant son court séjour ici, le prisonnier Minton a fait preuve d'une conduite plus qu'exemplaire. Et il est important de noter que c'est un délinquant non violent et sans antécédent. Attendez. Avant qu'on ne délibère, M. Minton, y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter? Je voudrais dire que... ça a été très enrichissant. Et je suis prêt à repartir à zéro. Bien, ça fait plaisir à entendre. Voilà la cour où les prisonniers viennent faire de l'exercice. C'est là où Charlie Passe-Muraille a essayé de faire le mur. Eh bien, considérant ce que le directeur Gascoigne nous recommande, je crois que nous avons là un candidat idéal à une libération conditionnelle. Monsieur Minton? Que diriez-vous de pouvoir sortir dès aujourd'hui? Monsieur Minton. Je suis dans l'immobilier, je vous l'avais dit.
J'ai un projet sur une propriété, c'est dans les parages. Je suis impatient de le développer. Eh bien, ça c'est formidable. Vous savez, pendant que j'étais ici, je suis aussi devenu membre d'un gang. Satan et ses pédophiles. Oh. En tout cas, ils ont dit que quand ils sortiraient, ils s'installeraient juste à côté de la petite école du quartier. J'espère que ça ne pose pas de problème. Ils sont plutôt cool, vous savez. Sauf peut-être quand ils sont sous et font du crystal meth. Et ça, c'est presque tous les week-ends. Mais les gens à qui je vais vendre les condos, il ne faudra pas leur dire. Car ce sont surtout des vieilles schnocks. Elles voient rien de ce qui est écrit en petits caractères, vous voyez. Dites, est-ce que votre grand-mère est toujours vivante? Je pourrais lui proposer une affaire. Quand j'en aurai fini avec elle, cette vieille va devoir baiser avec le pharmacien pour payer toutes ses pilules. Et son assistante, deux à la fois, comme dans les pornos. On dirait que vous avez une sacrée poitrine, c'est très sexy. Vous voulez bien la découvrir juste un peu? Je veux voir votre poitrine. Moi, je veux la voir, ça m'excite. Oh, ta poitrine, laisse-moi toucher ta poitrine, juste ça. D'accord, madame? Libération refusée. Qu'on le ramène dans sa cellule. De quelle couleur sont tes mamelons? Allez. Je parie qu'ils sont roses. Allez, oui, marron. Ils sont de la taille de dollar ou de 25 cents? Alors, Stan, tu vas sortir? Ah, laisse-moi, j'ai pas le temps de te voir. T'inquiète pas, Stanley. Je vais continuer de rester aux côtés de ta femme jusqu'à ce que tu reviennes. C'est trop gentil, merci. Ne m'en remercie pas. J'adore la compagnie de Mindy. Comme ces satanées cigarettes ont fait de moi un impuissant, je n'ai que de très rares contacts avec le joli sexe. Impuissant? Je trouvais que fumer, c'était cool, mais une quéquette molle, c'est loin d'être cool. Ça, tu peux en être certain. Vous êtes impuissant, c'est génial. Pas vraiment. Mon amour, je t'adore. Je vais t'écrire bien vite. D'accord? Okay. C'est mon champion. Je t'aime, chérie. Merde, lui, c'est mal. C'est là où les prisonniers sont réunis. Je vous accompagne. Tu as bien étudié avec le maître. Tu es en train de me dire que tu as étudié avec le maître, toi aussi? C'est moi son numéro un. Ah, alors là, je suis épaté. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont encore t'épater. Ah, c'est vrai? Comme quoi? Ah, et pourtant, j'ai été très tendre. Je crois que je vais me faire un petit chocolat chaud. Pourquoi pas une tortilla mexicaine? Encore un temps splendide. Avec plaisir. Oui, je disais... Et vous? Oh, j'en veux bien encore un peu. Voilà. Je doute fort que le maître t'ait préparé à ce qui va suivre. Tu vas goûter à mon rouleau impérial. Il est excellent, votre champagne. Vous voyez, ravi. Ils sont armés, ma foi. Oh.
dirait une émeute. Ne jamais se réjouir trop tôt. Monsieur le directeur, allez-vous les arrêter, monsieur? Bullock, préparez-vous à tirer. Il faut faire quelque chose. Je doute que le maître t'ait préparé pour ce qui va suivre. Alors, vous voulez danser pendant qu'il est ? N'a pas peur de toi et de ta bande ! Feu à volonté. Ne faites pas ça ! Approche, Cléon ! Tu peux y aller. Ando cerca de mi hoguera, siento mi felicidad. J'y arrive pas, monsieur. Et pourquoi, dis-moi? Eh bien, ils sont juste en train de danser. Donne-moi cette arme. Non, mais vous délirez ou quoi? J'essaie de rétablir l'ordre. Ils ont perdu la tête! Patron, tout est fini. Regardez tous ces témoins. Vous êtes foutus. C'est toi qui es foutu, Milton. Mindy, où as-tu appris ça? Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait avec le maître ces 6 derniers mois? Oh, quelle chance. T'as eu 2 cesseurs dingues, mais tu n'es encore que mon numéro 2, tu sais. Numéro 2? Avec elle, tu l'auras dans le cul. J'aimerais ça. Attention, position! On se concentre. Bloqué. Coup de poing, coup de pied, double coup de poing. Retour en position. Bloqué,
coup de poing, coup de pied, double coup de poing. C'est l'heure, Minton. Attendez un peu, patron. Vous faites ça bien, les gars. Génial, Robbie. Ok, tout le monde, je dois y aller. Oh non, reste encore un peu, allez. Vous allez me manquer aussi. J'aimerais que vous soyez particulièrement gentil avec le meilleur avocat rayé du barreau, votre nouveau collègue Lou Popper. Bienvenue, Lou. Est-ce que tu es bien sûr que le viol est toujours interdit? Presque sûr. Hey! Est-ce qu'on pourrait se faire un gros câlin en groupe, hein, Stan? Permission accordée. Amenez-vous, les gars! Ne me touchez pas! Non, ne me touchez pas! Hé, l'homme blanc, merci de m'avoir redonné mes dents. Y a pas de quoi. Gracias por todo, me enseñaste mucho. Con todo respecto, igualmente. Où est-ce que tu t'en vas, le crack? Je m'en vais chez moi. Oh non, grand Stan, il reste ici. Ah ouais? Oh, je rêve. Je m'appelle grand Stan, fini le viol. C'est très charmant. Ouais. Bye, Stan. Bye. Sois sage, hein? Salut Stan. Salut Biftec Raymond. Bye grand Stan. Dis au revoir toi. C'est mieux. Chérie. Salut beauté. Et où est Mindy Junior? Dans la voiture, elle est un peu turbulente. Ouais, et la gardienne ne t'aide pas du tout? C'est ça. Je crois qu'elle fume encore en cachette. Ah ouais, je vais lui parler. Merde. Salut ma puce, salut le maître. Allez, salut ton père, jeune fille. Salut. Il y a une rumeur qui dit que vous continuez à fumer. Qu'est-ce qu'elle vaut côté technique? Elle est nulle. Mais toi aussi, tu l'étais au début. Vous êtes sûr? Je me rappelle pas de ça. Stan! Oui, mon amour. Allons-y, chérie. All alone, you're taking everyone for granted.